Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duré. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, chef économiste de Goldman Sachs en France. On parle évidemment des élections européennes qui n'ont pas tant que ça bouleversé le paysage politique en Europe. Il y a évidemment cette percée, cette montée en puissance du camp eurosceptique des populistes. Mais il n'y a pas eu de raz-de-marée. Des partis traditionnels qui ont relativement résisté, relativement, on a envie de dire. Est-ce que ce matin, enfin ce midi, on peut se dire, voilà, le risque politique en Europe, ce matin, il est moins prégnant au regard, donc une fois, des résultats? Alors globalement, le risque politique est toujours là, disons qu'il ne s'est pas probablement accentué, mais il faut encore regarder selon les pays. Par exemple, si on regarde les derniers commentaires de Matteo Salvini en Italie contre l'Europe, on s'attend à des discussions assez difficiles. Pour le Brexit, en faisant référence à votre débat précédent, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement la poussée des pros... pro-Brexit de Nigel Farage a fortement augmenté, mais c'était assez bien attendu. Nous, on est plus prudents. On pense qu'effectivement, ce résultat va faire... Dans la campagne... au global, est-ce que le risque politique s'est un peu dégonflé ces dernières heures, puisqu'il n'y a pas eu, encore une fois, ce raz-de-marée populiste, eurosceptique, qui aurait pu bloquer vraiment l'agenda, même si les majorités vont être compliquées à se trouver au Parlement européen? Je pense que le risque politique est toujours là. Il ne s'est pas accentué, mais il ne s'est pas forcément dégonflé non plus. Ceci dit, il faut savoir que finalement, l'impact sur le fonctionnement de l'Europe, on a un Parlement européen qui est finalement divisé, qui va compliquer certaines discussions et certains processus, ne va pas bloquer le fonctionnement institutionnel de l'Europe, mais donc il ne faut pas non plus le sous-estimer. Ouais. Le choix du prochain président de la Commission européenne, il s'annonce compliqué ou pas? Parce qu'apparemment, aucun des quatre premiers groupes n'a la majorité absolue seul. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, comme je le disais, c'est un des exemples, un des dossiers sur lesquels ce Parlement fragmenté, divisé, va ralentir le processus de nomination, parce que la discussion sera assez difficile. C'est vrai que le parti de Manfred Weber, qui est donc la tête de liste du Parti populaire, oui, PPE, il reste majoritaire, mais il a quand même perdu en performance. Il a fait moins bien que les années. Et ça affaiblit ce qu'on appelle la procédure du Spitzenkandidat, qui était enfin un accord fait entre le Parlement et les chefs d'État et de gouvernement, comme quoi la tête de liste du groupe parlementaire majoritaire devenait automatiquement... Ouais. Donc c'est pas sûr que ce soit lui, le prochain président. Alors, comme la position est assez affaiblie, je pense qu'il y aura des discussions pour essayer de remettre en question cet accord. Et donc, ce n'est pas garanti aujourd'hui que ce soit le prochain président de la Commission européenne. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement, évidemment, c'est hyper important le président de la Commission, mais derrière, on est sur Boursorama, c'est la BCE. On savait qu'en fonction de la nationalité du président de la Commission européenne, ça dépend, ça influe sur la nationalité, pour qu'il respecte les équilibres, du patron de la BCE. On sait que Mario Draghi partira fin octobre. On y va plus clair dans celui ou celle, enfin a priori celui qui aura le plus de chances de succéder à Mario Draghi, maintenant qu'une fois que les élections européennes sont passées, on sait qu'il y aura un marchandage entre les capitales européennes justement pour se répartir les postes, mais au regard des résultats d'hier soir, on y voit un peu plus clair ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a François Villeroy de Galhau pour la France, Jens Weidmann pour l'Allemagne et Olli Rehn pour la Finlande. C'est les trois favoris, non, aujourd'hui, oui. Non, c'est intéressant de parler avec vous, parce qu'au-delà du fait que vous soyez chef économiste de Goldman Sachs, vous êtes resté pendant 10 ans à la BCE. Vous avez 10 années d'expérience à la BCE, donc c'est intéressant d'avoir votre grille de lecture là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'on a plus de clarté à ce niveau-là, parce que tout sera conditionné par le choix du président de la Commission européenne. Cette fois-ci, on va parler des positions, parce qu'on parle de la Commission européenne, de la BCE, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi le remplacement de Donald Tusk, en même temps qu'à la fin de l'année. Conseil européen. Voilà. Et l'Allemagne et la France veulent tous les deux la présidence de la Commission européenne. Et tout le monde dans le marché ne s'attend pas à ce que et l'Allemagne ou la France aient les deux positions, présidence de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Donc, de facto, le choix qui sera d'abord discuté pour la présidence de la Commission européenne va déterminer le choix du candidat et du remplaçant de Mario Draghi. En termes de probabilité, aujourd'hui, on peut dire a priori... C'est difficile à dire. C'est trop tôt encore? Oui, c'est encore trop tôt. C'est intéressant parce qu'on a justement Jens Weidmann, patron de la banque centrale allemande, la BUBA, Bundesbank, qui dit qu'il ne faut pas changer. C'était hier, il a dit ça hier, il n'y a pas besoin de changer de politique. La politique de la BCE, c'est ce qu'il a dit hier. Et en même temps, quand on voit l'accès de faiblesse
de la croissance de l'activité en zone euro. Est-ce que ça ne lui donne pas tort? On a eu les minutes de la BCE là, il y a quelques jours, la semaine dernière. BCE qui croit moins à une reprise au second semestre. Il a raison, Jens Weidmann, de dire que voilà, il n'y a pas besoin de changer de politique aujourd'hui quand on voit que, bah, que voilà, la reprise elle est très molle, quoi. Alors, notre point de vue qu'on maintient chez Goldman Sachs, c'est que quel que soit le prochain président de la Commission européenne, il n'aura pas d'autre choix que de tenir compte des données économiques. Et aujourd'hui, le scénario que l'on a, les meilleures prévisions que l'on a, c'est une reprise de la croissance au premier semestre, mais très graduelle, avec une croissance séquentielle de l'ordre de 1% au premier semestre de cette année pour remonter au-dessus du potentiel de croissance à 1,5% au second semestre. Mais avec une donnée fondamentale qui est vraiment cruciale pour la BCE, c'est que l'inflation reste très modérée, avec l'inflation sous-jacente qui ne décolle pas et reste aux alentours de 1%. Donc dans ces conditions-là, quel que soit le président de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, pardon, il n'aura pas d'autre choix de garder une politique monétaire accommodante. Et donc, en ce sens-là, Jens Weidmann a raison. Et je pense que c'est ce que les marchés devraient anticiper, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que l'inflation, qui est l'objectif premier de la Banque centrale européenne, on est toujours très loin des 2%. Je pense qu'on a tutoyé 2%, mais ça a duré quelques mois, quelques trimestres depuis 10 ans. Ça plaide quand même pour que la BCE en fasse plus, vu qu'on a une inflation qui est autour de 1%, alors que l'objectif, c'est 2%. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça donne tort quelque part à Jens Weidmann, non? Alors, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est qu'il dit on reste dans l'orientation de politique monétaire qu'on a aujourd'hui. On n'en fait pas plus. Et pas moi non plus. Aux conditions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt des bonnes nouvelles au niveau des données économiques. Elles sont moins pires, si je puis dire. Enfin, elles sont moins mauvaises. Elles sont moins mauvaises qu'attendues. Voilà. La vraie question, c'est qu'on ne voit toujours pas de transmission de la croissance des salaires à l'inflation. Et on sait que à horizon de fin de l'année 2019, on a trois gros risques qui se profilent, à savoir le Brexit, la possibilité d'un hard Brexit, la situation politique en Italie et les tarifs américains sur les exportations, les importations européennes. Donc on a ces trois risques qui se réalisent et qui perturberaient pas mal le scénario de croissance économique. La BCE devra en tenir compte dans ses perspectives, ses projections économiques. Ouais. Et tout ça va se télescoper avec l'arrivée d'un nouveau président de la BCE. Et on se dit malgré tout que si c'est quelqu'un qui a un profil plus colombe ou un profil plus faucon, ça ne sera pas sans conséquence sur la politique monétaire et sur les taux. Je pense que... alors, oui, parce que les marchés vont anticiper en fonction de la personnalité, vont essayer d'extrapoler. Celui qui tient la corde, c'est qui? On n'a vraiment aucune idée sur qui tient vraiment la corde, en plus entre Villeroy de Gallo, Weidmann ou Olli Rehn. Au final, c'est une décision des chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil européen. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir incessamment sous peu une liste courte de candidats potentiels émis par l'Eurogroupe. On le sait. Voilà, les noms circulent. La consultation du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne et de l'avis du Parlement européen, qui sont tous les deux consultatifs, mais qui ont quand même un point assez important pour le président de la BCE, vont également être sur la table du Conseil européen et sur base de quoi les chefs d'État et de gouvernement vont prendre leurs décisions. Mais encore une fois, je pense qu'il y a deux éléments importants qu'il faut garder en tête. Le premier message, c'est que c'est d'abord le président de la Commission européenne qui sera choisi, qui va conditionner le candidat, le successeur de Mario Draghi. Le deuxième élément, c'est que quel que soit le prochain président de la BCE, si le marché considère que le remplaçant de Mario Draghi est plutôt faucon que colombe, il va certainement être perturbé pendant un certain temps. Le style de communication pourrait changer, mais fondamentalement, la BCE ne remettra jamais en question son objectif de stabilité des prix. Et là, si... Mais il ne faudrait pas qu'elle arrête justement un petit peu de se focaliser comme ça, la BCE, uniquement sur l'inflation, parce que, pardon, mais là-dessus, elle semble ne plus avoir la main. Si elle avait la main, sa politique monétaire aurait fonctionné. Alors, je pense qu'elle a pour effet surtout de faire monter le prix des actifs et pas le prix de
des biens dans l'économie réelle. Et ça, c'est problématique, non ? Alors ça, c'est un vaste débat, hein, ouais. Même parmi les académiques. Je pense qu'elle a toujours la main, et comme le dit la Banque Centrale Européenne elle-même, c'est qu'on est encore avec un certain héritage de la croissance, de la crise financière, et tout est plus rigide, et le système est plus lourd à fonctionner. Donc la transmission des prix de croissance des salaires vers l'inflation met plus de temps à se manifester. Ouais. Ouais. Donc c'est pas le moment de devenir plus restrictif, au contraire. Ouais. Il faut garder, pour garder la main. Ouais, il faut... En même temps, ça se passe manifester, mais on voit les Américains qui ont quand même plus de croissance et moins de chômage que nous. Ils y sont toujours pas en termes d'inflation, ils ne sont pas à deux non plus. Hein, donc, alors que la BCE y arrive. Hein. L'inflation sous-jacente aux États-Unis a récemment baissé, et ce qui explique que la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, a décidé de faire une pause. En termes de dynamique d'inflation, ils sont quand même dans une dynamique plus haussière qu'en Europe. Oui. En Europe, on est vraiment plat. Les objectifs de la Fed ne sont pas atteints non plus en termes d'inflation. Mais la Fed a un double objectif. Ah, c'est ça. Objectif de croissance, de plein emploi et d'inflation. Comme maintenant, ils ont le plein emploi, ils se focalisent un peu plus sur l'inflation. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un jour à la BCE aussi d'avoir dans son mandat, pas la surveillance, mais le fait de pouvoir prévenir toute bulle financière? Ou est-ce que c'est illusoire? Parce qu'on voit bien que ce qui monte, ce sont les actifs, les prix des actifs. Mmh. Et pas l'inflation réelle. Est-ce que ce n'est pas un jour quelque chose qui devrait être dans le mandat d'une Banque Centrale Européenne? Ou c'est un truc illusoire? Je ne pense pas, et je pense que c'est illusoire, mais en tant qu'économiste, je dirais même que je ne le conseillerais pas, parce que tout dépend du cycle économique, mais il y a des moments où ces deux objectifs peuvent être contradictoires. Et donc ça perturberait plus les marchés qu'autre chose, puisqu'on n'aurait plus de clarté pour pouvoir anticiper le comportement de la Banque Centrale. Ouais. En tout cas, on finit là-dessus, Alain Duret, mais le risque politique, en tout cas, en Europe, pour vous, ce n'est pas vraiment dégonflé aujourd'hui. C'est vrai qu'en Italie, pour le coup, les cartes pourraient être rebattues. Il n'y a pas d'élections législatives qui ont été annoncées par, encore une fois, cette victoire nette de Matteo Salvini sur les autres membres de la coalition. Mais voilà, c'est un des sujets, d'ailleurs. Et on peut boucler ça aussi avec la BCE. Prochain patron de la BCE, s'il était plus faucon que Colombe, ça pourrait poser un problème. Il n'y a pas de croissance en Italie, on parle d'un déficit public qui pourrait aller vers les 4% l'année prochaine. Situation compliquée. Situation compliquée, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y aura quelques discussions très difficiles au Conseil européen, puisqu'il faut voir aussi dans quelle mesure les annonces des uns et des autres ne sont pas aussi tactiques pour essayer d'obtenir quelque chose des partenaires européens. Donc il va y avoir beaucoup de bruit, plus de volatilité, mais au final, ça c'est le message principal que je voudrais donner, c'est que l'Europe va continuer à fonctionner. Certains dossiers seront plus difficiles, mais voilà, il faut regarder de près le risque politique, effectivement. Voilà, merci en tout cas, merci pour ces commentaires signés. Alain Duret, chef économiste de Goldman Sachs en France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.